C'est d'après les autorités l'événement le plus destructeur depuis l'attentat du World Trade Center. Mais parmi les débris qui encombrent les rues, des centaines de milliers de personnes fuient Manhattan. C'est l'exode le plus massif de l'histoire de la ville et beaucoup, beaucoup de gens le déplorent amèrement. Parmi les citoyens les plus mécontents, les directeurs des magasins de luxe du quartier de Madison Avenue. Les boutiques Warner et Disney ont été totalement mises à sac par les pillards et les rues sont bloquées. La circulation est impossible et les véhicules d'urgence sont dans l'incapacité d'intervenir en cas d'alerte. C'est un flot lent mais régulier qui s'échappe de la ville, comme si Long Island ou le New Jersey pouvaient faire office de refuge en cette heure de crise. Oh, c'est génial! Si je les ai fait évacuer pour rien, ils vont me pendre à la Statue de la Liberté! N'avions-nous pas dit que nous ne reprendrions de sucreries qu'une fois réélus? Allez, Patine! Votre inquiétude. Je tiens à ce que les affaires puissent reprendre le plus tôt possible. Merci. Assurance La Rochelle, nous représentons près de 13% de l'immobilier de votre ville. Vous pouvez compter sur notre plein soutien financier et émotionnel. Excellent, excellent. Quelle est votre connaissance, monsieur le maire? Avancez, monsieur. Donnez-nous des informations.